Né le 14 mars 1966, Jean-Philippe Stassen connaît bien l'Afrique. Il a notamment voyagé au Burkina Faso et au Mali, mais c'est avec le Rwanda qu'il a noué une relation particulière, en raison de la souffrance énorme que ce pays lui procure et des amitiés qu'il y a nouées. Près d'un million de Tutsis sont assassinés au Rwanda en 1994. C'est le troisième grand génocide du XXe siècle, après celui des Arméniens et celui des Juifs. Dans l'album Deo Gracias, publié chez Dupuis en 2000, il évoque ces événements terribles à travers le destin d'un jeune garçon, un adolescent nommé Deo Gracias qui travaille à la mission auprès des curés blancs et qui sera entraîné à participer au massacre, allant jusqu'à assassiner les jeunes femmes qu'il aimait. Dans la case inaugurale de l'album, Deo Gracias est représenté avec un t-shirt déchiré, les cheveux en désordre et le regard fixe, proche de l'hébétude. Stassen éclaire les circonstances du génocide par de nombreux flashbacks qui nous permettent d'entrer dans la personnalité des différents protagonistes du drame. Il montre en particulier la responsabilité des Blancs dans l'ethnicisation des tensions qui traversent la population et les effets de la propagande Hutu qui passe tant par l'enseignement scolaire que par les programmes de la radio qui n'a de cesse d'assimiler les Tutsis à des cancrelats ou à des cafards. Le dessinateur représente les Blancs de manière assez manichéenne, les Rwandais avec plus de subtilité, même si l'on sent chez lui une certaine sympathie pour le personnage du frère Philippe qui joue le rôle du Candide et de l'homme de bonne volonté. L'amour de l'auteur pour le Rwanda transparaît dans certaines planches qui mettent en valeur la campagne de ce pays aux mille collines. Deo Gracias est Hutu, et il est amoureux d'Apollinaire et Bénigne qui sont Tutsis. En plein génocide, son amour paraît impuissant contre le déchaînement de la folie meurtrière qui se généralise. Personnage influençable, il commet l'irréparable et tue Apollinaire et Bénigne. Deo Gracias essaie de noyer son repentir dans l'Uragua, la bière de banane. Mais le trauma qu'il a subi est tel qu'il est victime d'hallucinations et se voit désormais comme un chien. En s'assimilant à un animal, il croit sans doute se protéger contre le jugement d'autrui. Certaines images accréditent cette transformation symbolique. Jean-Philippe Stassen nous en dit plus long sur ses intentions. Mon propos était avant tout de dire que c'était des gens ordinaires qui avaient tué, et donc de renvoyer le lecteur implicitement à la question « Qu'aurais-je fait à leur place, si je m'étais trouvé pris dans le même contexte, et si mes chefs m'avaient dit que ce qui était interdit hier était désormais autorisé et même encouragé ?» Jean-Philippe Stassen approfondit son sujet en signant en 2002 un autre livre sur le Rwanda, associant texte et dessin, « Pawa, chronique des monts de la Lune ».